Salut tout le monde, c'est Courte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV. J'espère que vous allez bien. Enfin, c'était arrêté après avoir fait encore une fois que du secondaire et un tout petit peu de principal. Enfin, c'est un petit peu de principal, ça nous a pris quand même 15-20 minutes, il me semble. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait mon petit programme qui durera plusieurs épisodes, je pense. Attendez, est-ce que je peux faire le plein? Ce serait cool, mais je suis pas sûr. Si je peux, je vais faire le plein maintenant. Oui, donc je vais faire une espèce de parcours, mais à mon avis on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, je ne pense pas. En fait je vais faire toutes les quêtes qui seront de la partie droite, je vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Non mais c'est bon, je voulais juste faire le plein, Cindy, hein. Plus belle que jamais. D'ailleurs, je me demande si je fais le plein et que la voiture est cassée, est-ce qu'elle fait une autre réflexion, genre au lieu de dire c'est parfait elle dit ah faut réparer ça ou quelque chose comme ça, je sais pas. Du coup, automatique carte, tu vas me téléporter à l'Estaloum, s'il te plaît. Voilà. On fera la partie droite, donc c'est-à-dire on fera la 11e pièce de l'énigme, que j'avais zappé complètement alors que j'étais allé jusqu'au parking. Mais il faisait nuit aussi, c'était peut-être pour ça. On fera le contrat de chasse en même temps. Enfin, on fera le contrat de chasse avant, en fait, après on activera la 11e pièce de l'énigme. Donc oui, après la 6e ou la 7e, je sais plus, on passe à la 11e. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le motif de tronc, on l'a fait. C'est ce qu'on a fait à la fin de la dernière épisode. Ensuite, randonneur à bout de force. Ça, on l'a fait pas dernier épisode, celui encore avant. Paisible paysage, ça, faut qu'on le fasse. Donc, c'est la partie droite. Donc, ouais, par contre, on va devoir déborder un peu sur la partie gauche de la carte, je crois. Enfin, de ma partie gauche, vous voyez pas trop de quoi je parle. Quête en duo, c'est fait. C'était le truc avec Iris. Ensuite, une démonstration de talent, on va le faire. Chasseur de légumes, on va le faire aussi, et vous ne passerez pas, on le fera aussi. Et après, il y aura plein d'items à ramasser, ça, il n'y a pas de problème. Mais on va commencer déjà par faire le contrat de chasse, puis après la 11e pièce de l'énigme. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Ce sera la 11e pièce de l'énigme, ça sera clairement le plus dur, entre guillemets, parce que c'est tellement le bordel à chaque fois de trouver les pièces. Mais d'ailleurs, je me pose une question, parce que là, il me montre qu'il y a... Enfin, je vois un sanctuaire, mais je crois qu'il est beaucoup trop dur pour nous pour le moment. C'est peut-être pour... Ah oui, non, il me le dit... Ah, d'accord. Il me le précise pas sur la carte, mais au chapitre 4... On est au chapitre 3. Au chapitre 4, il va me dire que ça va être un peu dur, je crois. On fait quoi, maintenant? On interroge les habitants? C'est Noct qui décide. Alors, si j'ai le truc, c'est au sud-ouest de la station machin. Il y a un tombeau royal accessible depuis le sentier qui part de... La faune sauvage locale ne saurait vous empêcher de vous emparer du bouclier de la juste qui gît à l'intérieur. Quoi? Je suis fatigué, j'ai rien compris ce que j'ai dit. À ce que j'ai lu, je n'ai rien compris. Ok, on va prendre conduite manuelle. Je parle pas bien, hein. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, pourtant il n'est pas très tard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça qui est rigolo aussi. Quand je suis fatigué et que je dis que de la merde. Juste attendez, 2 secondes. Mais le principal, si je vais dans quête et que je prends celle-là. Où est-ce que tu es? Ah non! Ah non, d'accord. Ah, c'est parfait, en fait, on va pas déborder du tout. On va sur la partie droite. Parce qu'en fait, on va dire ça, la partie droite, c'est jusque ici, à peu près. Non, un peu plus quand même. Jusque ici, hein, entre guillemets. Donc toute cette partie-là, comme ça, là. Peut-être pas quand même. Jusque là, on va dire à peu près. Non, peut-être pas. Bon, bref. On dépassera pas cette ligne-là, en fait. Pendant 2 ou peut-être 3 épisodes. Si vraiment j'ai pris mon temps. Tout ça là on dépassera pas ça, on dépassera pas ça non plus je pense, pas au niveau du parking, enfin on restera dans cette zone là quoi, enfin on va pas aller très loin pour le moment. Et en fait je pensais qu'il était ici le mec qui voulait, enfin je pensais que c'était ici qu'on devait prendre les photos, mais en fait non c'était à droite. Du coup bah ça m'arrange en fait, ça m'arrange un peu. Du coup on va aller à droite, hop, si, ouh, je m'en doutais. Oh non mais je viens de réparer la régalia. C'est moi l'arrière. J'arrive pas à voir. Oh non, regardez au-dessus, je crois qu'il y a des marques. Oh, mais j'ai juste de la réparer, tu te fous de ma gueule, donc Tis, t'as fait n'importe quoi. Bon, techniquement, c'est moi qui fais n'importe quoi, j'ai un peu tourné un peu à l'arrache, mais. Je suis dégoûté, je viens de la réparer, je l'ai cassé. On a combien de guilds? On en a pas beaucoup, hein. On en a vraiment pas beaucoup. Du coup, pense à tourner à gauche, bien sûr.
Bon, au moins, vous avez vu ce qui se passe quand on se prend une bagnole, quoi. C'est déjà ça le prix. D'ailleurs, s'il y a une voiture qui vient en face de nous, j'ai dit on va essayer sur celle-là, mais le temps que je me retourne, elle va me dépasser. S'il y a une voiture que je rentre dedans, parce que comme ça, je crois que ma voiture freine et la sienne aussi un peu, donc on les rafle un peu, entre guillemets, quoi. Donc c'est pas trop gênant. Alors, du coup, on arrive au contrat de chasse avec l'onzième pièce de l'énigme qui est un peu plus haut. Et après, on fera la photo, je pense. En sachant qu'il y a deux photos, la deuxième, je sais pas si on la fera, mais on fera au moins la première. La deuxième, on verra peut-être plus tard, ou je sais pas, On on descend verra. là. Ça marche. Ok, on les voit. Qu'est-ce qu'il faut qu'on tape des Ça recommence la randonnée? Craigne la glace, les armes à feu et les machines. Ah, comme ça, vous aimez pas la glace. Ah, comme ça, j'ai énormément de place. Oh le malade. Tiens, balance un élixir. Hop, on synthétise ça. On va l'équiper contre ça. Bon, en vrai, je pourrais me passer entre guillemets de ça parce que c'est une quête de niveau 12 donc il doit pas être bien fort. Mais je me dis qu'on peut les allumer en quelques secondes donc on va en profiter parce qu'il y en a 9 quand même. Non, non, non! N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer très féroces. J'ai Ça va fait de la être merde. tranquille. J'étais juste en train de sprinter et sauter et ça a tout niqué. Alors, attendez. Parce que je sais pas, je ne connais pas spécialement leur. Je connais je sais juste. Attends. Crée de la glace, les armes à feu et les machines, ok. Donc on va prendre ceci. Aïe! J'ai fait de la merde, hein, vous. On est clairement d'accord. En gros, je vais prendre ma lance, parce que ma lance, il y a déjà de la glace dessus. Donc attendez, si je fais en plus un enchantement d'Ignis. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me donner de la méga glace? Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Ah, attendez. Je vais refaire mon sort, mais en mieux cette fois-ci. Excusez-moi, excusez-moi. Allez, salut! Ah, il y a des survivants. Toi, t'as rien pris du tout, quoi. Ouais, je sais. Hop, celui-là est plus résistant. Celui-là est plus résistant. On va faire un petit coup de prompto. Comme ils aiment pas les armes à feu. Cette fois, la peur va changer de camp. Hop. Hop. Et voilà. Le travail. Il y a encore survivant. Voilà. Ouh. Inutile de traîner par ici. Donc ça, c'est fait. Ouais, en plus d'avoir mon arme qui a de la glace, j'avais de la glace dans les mains, donc je pense qu'on faisait un chouï plus de dégâts, peut-être, je ne sais pas. Du coup, tu vas me remettre mes petites assassines. Ne. Hop, voilà, parfait. Et on va reprendre la régalia. Bon, mais ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Hop. On reprend la régalia, manuel, comme d'habitude. Et me En dis pas qu'il avant. va commencer à faire nuit, là. J'ai dormi à la fin des derniers épisodes, tu te fous de ma gueule. S'abuser, bonsoir, on va dormir un petit campement, ça nous fera un PC en plus. D'ailleurs, PC, on est à combien? 37. On va attendre encore un peu. Par contre, pour tout améliorer à fond, ça va être compliqué, hein, parce que les PC, j'en ai pas toutes les 5 secondes. Hein. Faut que je cours en chocobo très longtemps. Mec motivé, tu sais. Alors, c'est juste un peu avant le parking. Donc, On descend on va là. se garer au parking comme ça. Ce sera bon. Et j'ai peur qu'on doive faire un combat compliqué, surtout. Avant de le récupérer. Quoique c'est un Allez, chouï plus bas tout le que le monde descend. parking, donc peut-être pas. Alors, trouvons cette putain de carte. Attendez, ça se trouve, elle est en dessous. Enfin, genre vers le. Non, elle est en face. Genre à côté du parking et pas en face du parking. Ça va être quelque part par là. Non, 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 Eh non, ben, prompt, quelle Noctis fait pas bête. n'importe quoi. Ah, une peur s'offre à moi. Est-ce que je vais vouloir me taper le combat ou pas? Je pense. Ouais, il est là. Ah non, c'est pas ça. Je pense que ça doit être dans les ruines, quelque chose comme ça. Il y a grandement moyen. Si la caméra veut bien ne pas faire n'importe quoi. Oh, mais dis pas que c'est là, quoi. D'accord, je rentre. Je rentre pas, d'accord.
Juste attendez, au pire, je vais regarder à Solus. Comme ça, je regarde quel combat faut que je fasse. Le frère de la corde repose dans des ruines d'une maison en briques. Bah. Je suis dessus là. Je ne vois pas de carte. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de carte. Il y a dit à côté. Dans les ruines d'une maison en briques. Mais j'ai pas vu de carte, à moins que je l'ai. Tout à l'heure c'était bien la carte et j'ai dit de la merde. Ah non. Oh, c'était quoi ça? Ah oui, putain, c'est la quête principale, d'accord, je me suis dit, j'ai une quête là, moi. Est-ce qu'il faut que je. Maintenant, faut pas que je fasse une quête avant. What the fuck? Puis, il y a bien dit, ils disent bien dans la maison, donc c'est pour ça que je trouve ça étrange. Est-ce qu'il y aura une autre maison? Je pense pas. C'est pas en ruine là-bas. Petite carte, où es-tu? Au pire, je regarde la photo, il y a pas de problème. Oh, je vais encore moins bien voir maintenant. Ah! Il y a pas un truc bleu là? Ah non. Oh, ça me fait chier. Bon, attendez. Page 131. Comment ça s'appelle? 11ème pièce. 131. Oh, mais c'est pas la bonne maison! Ah, quoique. Non, non, il y a les vitres. Enfin, il y a les. C'est pas la bonne maison, d'accord. C'est pas du tout la bonne maison. Ça explique beaucoup de choses. Ça doit être plus là-bas. Ça explique beaucoup de choses, mon cher. Bon, j'ai cru l'apercevoir, mais non, c'était un rocher. Alors c'est bien beau de savoir que c'est dans une maison. Ça doit être là-bas. Mais attends, mais what the fuck? Normalement c'est plus bas que le parking. Donc si c'est là-bas, je ne comprends pas. Ce serait une mauvaise indication. Le guide n'est pas complet. Ouais, normalement c'est dans celle-là. Voilà, c'est juste là. Hop. Et boum. Trouver un endroit indiqué par le fragment de la carte. Oui, par contre, il est où? Oh, bah parfait! Oh, je vais pouvoir rendre le contrat de chasse, dormir et tout. Je vais pouvoir faire une pierre trois coups, là. Hop. Enfin, sauf si je me fais encore attaquer par un putain de... J'ai eu peur de mon nom, s'il te plaît. Ah, bah non, je vais faire retourner en ville. Noct. Conduire la nuit est très dangereux. Nous ferions mieux de retourner en ville. Pas de problème. On rentre en ville. Ouais, c'est clair. Retournons en ville. Bien. Alors ne perdons pas de temps. Je suis en train de m'étirer. Hein. Les restaurants peuvent vous fournir de nombreuses informations utiles en plus de vous vendre de quoi manger. N'hésitez pas à leur rendre visite quand vous arrivez dans une ville afin d'en apprendre le plus possible si vous en verrez et de jeter un coup d'œil au contrat de chasse. Y a pas de problème, c'est ce que je fais depuis le début du jeu. Je fouille tout depuis le début du jeu, je récupère tout. Et du coup, je pense pas qu'on aura le temps de faire beaucoup de quêtes au final. Hein. Du coup, je suis en train de regarder parce qu'il y a les quêtes, mais avec les quêtes, il y aura aussi des objets à récupérer en chemin. Beaucoup au niveau d'un autre cratère. Aussi, il y aura aussi un accessoire dans un champ. Il y a pas mal de choses. Hein. Il y a clairement pas mal de choses. On va tout de suite rendre le contrat, ça sera fait. Allez! Alors, un petit restaurant, n'importe lequel, ça fera l'affaire. Alors, normalement, je crois que... Ouais, je peux appeler Yuki ici. Ça, c'est cool. On va pouvoir se déplacer plus vite en ville. Alors, par contre, je sais pas si elle rentre dans la ville. Je crois qu'elle rentre juste dans la rue. Je crois que c'est uniquement dans la rue, parce que regardez, dès que je vais approcher de là, il va faire... Ah, non, tu peux pas. Merci. J'ai gagné un PC, au passage. Merci à toi, Chocobo. Chocobo. Venez, goûtez mon pain. Hop, allez boum. Et en plus, ah non, j'allais dire je vais passer grade 3 mais non. Bon, c'est pas grave, il manque un point. Enfin une étoile.
Alors qu'est-ce que tu proposais toi? Je me souviens plus. Merde. Ah non, tu proposais pas de contrat de chasse, d'accord. Alors, ensuite. Quête. Je suis dedans. Oh putain. Bon, pareil, on va faire comme d'habitude, on va aller au centre en priorité. Pas au centre. Oui, si, c'est à peu près au centre. Voir si Zelsi, elle ne s'y trouve pas. Ah non, putain, je croyais que j'avais trouvé, mais non, c'était un truc à examiner. Alors, c'était pas une blague, le disque de côté. Bon, je pense que vous connaissez la zone, je vais faire un ellipse. Je vais chercher un peu et si je trouve pas, je regarde la soluce comme d'habitude. A tout de suite. Alors, je l'ai trouvé avec la soluce. Mais putain, c'est abusé. Vous avez vu la fourberie du truc? Attendez, que je vous dise. Je suis monté là, ici et là. Après, j'ai fait le tour comme ça, je suis arrivé là. J'ai fait, vas-y, putain, ça me saoule, j'ai regardé la soluce. Je suis arrivé là, j'ai cherché, je trouvais pas. Ils m'ont dit dans la descente de l'armurerie. Du coup, je cherchais, je regardais, je fouillais. Et puis là, je passe comme ça. Et boum, je vois un petit truc qui brille. Enfin, qui brille, le petit trait blanc là. Et ce signe là qui apparaît vite fait au fond de mon écran, je fais. Ah d'accord, ok, pas de problème. Un autre morceau de carte. Quand est-ce qu'on le trouve, le trésor? Jamais. On ne le trouvera jamais. Bon, je sais pas ce qu'il y a à la fin. J'ai pas lu. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un autre truc pour dormir. Mais non, c'est toujours des trucs payants. Ça me fait chier. Bon. Enfin, on va retourner dormir. Du coup, je vais faire une petite ellipse. Je vais aller dormir. Non, je vais pas faire d'ellipse du coup. Parce qu'on va dormir. Donc, il va y avoir les photos à prendre et tout, etc. Du coup, je fais pas d'ellipse. Pas le temps de niaiser. On va faire la quête. Alors, je pense qu'on va faire la quête de. La quête de toi. Voilà, parce que c'est. T'es entre guillemets le plus. Non, en fait, on va pas faire celle-là en premier. On va d'abord faire celle-là. Voilà. On va d'abord faire celle-là en premier. On fera la photo après. De toute façon, il y a deux photos à prendre, je vous rappelle. Un du sud et un du nord, ou quelque chose comme ça. Ah, ils me disent pas. Bref, il y aura deux points cardinaux à prendre en photo. Et je sais plus ce que c'était, je crois que c'était la comète. Bon, je sais plus. On s'en fout, putain, mais à chaque fois ça me coûte 300 guilds de dormir ici, c'est un peu. Content de voilà. Voir. Ça coûte un peu cher. Moi je veux une carte de fidélité parce que là, je veux gagner des points. Ça fait deux fois d'affilée que je dors ici. Putain, j'arrête pas de m'étirer. Yeah. Alors, qu'est-ce que t'as pris en photo, Prompto? Bon, déjà ça, cool. Alors, j'aime bien celle-là. Ouais, en fait. Y'a rien qui me donne envie de sauvegarder. Bon, bref, on sauvegarde rien parce que. Sinon j'aurai jamais assez de place pour la fin du jeu là parce que j'ai pas envie de supprimer les photos que j'ai déjà sauvegardées, bordel de merde. Hein? Ouais. On dit oui, et j'ai fini la modif. Ah, il nous appelle! Ah ça c'est pas mal! D'accord, je me disais putain, c'est qui va nous appeler Iris? Normalement non, Cindy non plus. Dino non plus. J'ai pas pensé que Sid allait nous appeler. Enfin, je suis outré. Juste très, bah c'est pas grave. On fait la quête de. On fait la quête que j'ai dit qu'on fait. Je pense pas que ça se dise ce que je. Enfin, on fait la quête que j'ai dit. Et est-ce que je peux. Non, je peux pas me TP, dommage. On va faire carte. Faut essayer de se TP au parking, je peux. Non, je ne peux pas. Ici, je ne peux pas non plus. Je peux pas me téléporter, je suis triste. Ouais, là encore moins. Là, je peux me TP. Ouais, mais. Ouais, je vais me TP. De toute façon, je fais une ellipse, je retrouve à côté de la quête. On fait la quête, après on retourne voir Sid. Puis après, en revenant, on fera la quête de la photo. Enfin, on fera la première photo. Voilà. Donc, à tout de suite. Ok, on est à peu près à proximité. On va s'arrêter là, comme ça, je suis sûr de pouvoir remonter sur la route.
Bon bah de toute façon c'est quasiment le plus près. Ah moi je pouvais tourner. Non peut-être pas en fait. N'exagérons rien. Merde. Alors Yuki. En douceur. Hop, c'est pour le T. On va sprinter. Du coup, on va ramasser l'item avant toute chose, avant d'oublier. Merde, je fais n'importe quoi là. Noctis, tu as fait n'importe quoi. C'était pour faire quoi déjà? Faut éliminer les bullettes. D'accord. Moi j'aimerais bien ramasser l'item d'abord. Avant toute chose, il se trouve derrière. Alors, il nous reste combien? Putain, il nous reste 3 jours de chocobo, on a quasiment jamais utilisé pendant les 7 jours. Donc, je suis désolé, c'est pas rentable ton truc. Hein. Hop. Alors. Alors, c'était quoi déjà? On se reverra. Huile de batracien. Bah, c'est madame les grenouilles, des grenouilles qui va aimer ça. Est-ce que je peux me TP? Oh putain, j'y ai trop cru. Je sais pas pour vous, mais j'y ai tellement cru. Oui, moi je me prends la tête à chaque fois. Alors par contre vous, je sais plus du tout ce que vous aimez pas. Vous aimez pas la glace, d'accord. Ah bah, on va vous finir comme on a l'habitude. C'est très bien que vous détestez ça, bah profitons-en. Allez hop, ça dégage. Enfin, on va attendre qu'ils se rassemblent, naturellement. Ça, y a pas de problème là-dessus. Non, vise. Non, vise celui-là, celui du milieu. Je peux, toi. Voilà, allez, ça dégage. Hop, ils sont presque morts. Et voilà. Les deux dans le nez. Bien joué. Et voilà. Les deux dans le nez. Hop, on rééquipe notre petite assassine. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on est à côté d'un sanctuaire. Oui, on va faire un petit tour vite fait là-bas. On va appeler Yuki. J'ai dit magie, mais non, elle est pas apparue. Hop, on va récupérer un peu de glace parce que on en a besoin. Je déteste quand je vais sur la gauche et qu'il va à droite. C'est très énervant. Du coup, ensuite, on va aller voir Sid pour récupérer notre arme améliorée, qui va être vachement plus puissante, je pense, puisque c'était niveau 3 et que niveau 3, ça me paraît beaucoup. On va juste récupérer de la glace qui est là. Hop. Merci. On absorbe. Voilà. On retourne à Regalia et bah, de toute façon, je vous fais une idée, je vous retrouve. Je vous retrouve devant Sid. Voilà. À tout de suite. Ok, on est arrivé. On va aller voir Sid tout de suite. Voilà. Essaye ça. Tu m'en diras des nouvelles. Bah oui. Ah non, merde. Elle est que... Ah non, non, si, elle est que 3, elle est 3 quand même, j'allais dire. J'ai des nouveautés. Je pense que ça devrait vous plaire. Sid Pamuret, l'âme motorisée 3, Synoctis lui apporte une corne hélicoïde incassable. Ok. Ça va, tu m'en demandes pas trop. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Regardez les dégâts. On passe de 166 à 257. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Attendez, on va voir s'il veut pas. Tiens-toi droit. Non, je peux pas l'améliorer. Bon bah, on va l'équiper. On va l'équiper. Quoi, je peux pas changer maintenant, si on me raconte. Merci. Bon, la celle de feu, on la récupérera dans le temple. Parce que ce sera mieux. Ou alors je ferai un enchantement d'Ignis. Y a pas de problème. On va essayer un peu les points de compétences parce que j'en ai quand même 50. Faut pas déconner. On va aller dans loisir et on va faire. Non. Ça, on prend. Il me reste 18. Bon, c'est un signe. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est un signe. Ça veut dire qu'il veut que je prenne ça. Voilà. D'ailleurs, faut qu'on pêche. Hein. Faut qu'on penche à pêcher. Parce qu'il y a des coins de pêche que j'ai pas pêché encore. Enfin, bref. Du coup, encore une ellipse. Encore une fois. Ah, magasin. Il y a quoi dans le magasin? Ah, attendez, lecteur audio, on va l'acheter maintenant. C'est pour écouter de la musique en dehors des. En dehors des. Tac.
en dehors de la voiture. C'est plutôt intéressant. Et ça, bah, on s'en balance. Et ça aussi. Et ça, bah, clairement, on s'en balance. Putain, on a 21 super élixirs. C'est pas tant que ça, en fait, mais c'est beaucoup quand même. Voilà. Ah ouais, je fais une petite idée. Je vous retrouve au niveau de la photo. A tout de suite. Ok, on est en route pour la petite photo. Alors, je pense bien que ça soit le météore. Photographier la face nord du disque du Cotless. Bon, c'est pareil, c'est le météore. Je crois que c'est la même chose en fait. Ou alors c'est le météore est au même endroit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais techniquement, on l'avait déjà pris en photo là-haut. Je suis désolé, hein, on l'avait déjà. Je suis pas fan des bêtes sauvages, je préfère les chatons. Laisse-moi. Moi non plus. Attendez. L'item qui est là. Non, on l'avait déjà récupéré. On l'avait déjà récupéré, on va le reprendre dans, on va le récupérer dans le doute, mais bon, normalement, il n'y a pas de... Ah non, faut faire le combat, vas-y, laisse tomber. Génial, cette vue. J'ai la flemme. Si Yuki veut bien monter, ce serait cool. Hop. Alors. Sympa la balade. Hop, photographier. Attention, séquence photo. Excellent. Destination suivante. Je crois que la face sud est vachement loin. Ah, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bah. Puis on va la faire maintenant. On sera tranquille. On va la faire maintenant. J'allais l'appeler Yuki, mais non, elle est juste à côté. Pas besoin. On y va. Ok, bah je vous refais une petite ellipse du coup. Sauf si Yuki prend un level au passage. Et on se retrouve bah, là-bas quoi. Enfin, à la prochaine photo. Ok, on se retrouve du coup à. Au relais de Chocobo Wiz, on va aller faire la quête qui se situe là-bas. Voilà, là on est passé à côté du truc de Chocobo, enfin des courses de Chocobo. Faut aussi que j'essaye de monter ici, pour faire une belle chute et une belle photo. Enfin, surtout la belle chute en fait, j'ai envie de... Bon c'est moins haut, donc non en fait la flemme. Mais voilà. On descend là. Voilà, voilà, voilà. Allez. Je suis en train de penser, je crois que la quête de Wiz on est pas loin. On a besoin d'exercice. Je crois que la quête de Wiz n'est pas très loin. Ah si, quand même. Quand même, mais la quête de Nino, par contre... Bon, elle est pareille, on va dire. Alors, du coup, hop, on se TP. Putain. Mais laisse-moi passer à travers les grillages. Techniquement, mon épée, elle passe derrière, donc... Techniquement, je devrais pouvoir passer. Est-ce qu'on peut... Hop, allez, pas le temps de niaiser. J'entends un moteur Magitech. Ah bon, on prend vite la photo et on se tire. Hop et... Oh là là, cet enchaînement. Allez, un petit clic. On plus bagage. Ok, ça c'est fait. Putain, il est loin. Il est loin. Alors du coup, ensuite, on va faire... On va faire cette quête là. Ouais, on va faire ça. Il me semblait que j'avais une autre quête. Maya, vous ne passerez pas. Ah ouais, ça affiche jusque là. Ouais, mais on va déjà commencer par celle-là, c'est la plus proche. Par contre, on va pas passer en dessous. Parce que j'ai... Non, on va faire, je vais faire le tour, moi. Je vais passer comme ça. De toute façon, je vous fais une ellipse, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite, on se retrouve... bah, ici. Dans la station Cornix. D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas affichée sur la carte? Bon, je sais pas, bref. Je vous dis à tout de suite, je vous retrouve là-bas. Ok, genre, je me suis arrêté ici pour dormir avant de me faire attaquer par un putain de démon. Et juste avant qu'on dorme, je vais juste dépenser tout ce que j'ai. En feu et en foudre, hop, comme ça, sera plus optimisé. Alors, je vais prendre un. En vrai, c'est la même chose. Hein. Rare transforme grâce à la magie de Noctis, extraordinaire. Mega élixir, ouais, bon, mega élixir, voilà quoi. On va juste mettre un élixir sur chaque truc. Hop, on va pas se prendre la tête. Bon, bien sûr, un jour. On créera l'ultime truc, on mettra 99 méga élixirs juste pour voir.
Juste pour voir. Hop, on prend tout ça. Pareil, un élixir. Non. Si. Si, un élixir. On synthétise. Parfait. On conserve. Ok. Et la glace, bah la glace, on n'y touche pas, c'est pas à fond, donc j'ai pas envie. J'ai pas envie. De toute façon. Ah, mais c'est le sanctuaire, on n'avait pas tout récupéré. On est enfin arrivé. On avait récupéré que de la glace et que de la glace. Comme ça. Comme ça, il n'y a pas respawn. C'est parfait, ça m'arrange. Comme ça, ça fait égalité, quoi. Ça. Voilà, quoi. Ok, on récupère ça. Et on va aller dormir. J'espère que Pronto t'a pris de belles photos. Hein. Je compte sur toi. Il y a mon chat qui veut encore monter. Enfin, ça faisait longtemps, mais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, si tu montes, tu vas me donner des coups de tête, ça va être chiant. Alors, temps passé léger au jour, génial. On a vraiment des bilans de merde. Hein. Ah oui, merde, c'est vrai. Bah, tu vas nous faire un petit coup de... De ça, tiens. Mais de ça. D'ailleurs, je crois que j'ai gagné un ou deux points de compétence en roulant, parce que j'étais en manuel. Alors, les photos. Bon, ça aussi. J'ai l'impression que Noctis a besoin de moins d'XP que les autres. Ou alors, c'est parce que quand je fais des... Ah bah oui, tout à l'heure. Ah bah oui, tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Quand on a fait la quête duo avec Iris, là, quand on a fait la balade, là. Enfin, la promenade. Quand je gagnais de l'XP, c'était que pour moi. D'accord, donc j'aurais peut-être dû prendre les PC, en fait. Suis-je bête? Bon, c'est pas grave. Gain niveau pour Prompto. Capacité d'utiliser le filtre vaporeux. Ok, alors qu'est-ce que tu as de beau? Là, on voit le petit cul de Yuki. Ouais, bon, t'as rien pris de folichon. Hein. Celle-là qui était pas mal. Ouais, mais non. Non, bon, tant pis. On ne garde rien. On fait de la place pour les futures photos. Ça, par contre, c'est un truc que je crains, c'est de devoir supprimer des photos. Ça me ferait tellement chier. Noctis a mangé son plat préféré. Ah, j'allais dire, putain, j'ai déclenché une quête duo, le con, j'ai pas sauvegardé avant et tout. Noctis a mangé son plat préféré hier soir, il bénéficie d'un effet positif qui permet à la jauge de commande de se remplir plus rapidement. Ouh, c'est cool. Bon, je suis prêt à partir. Moi aussi. Et vous ? Non, oh, moi j'ai encore sommeil là. La glace a respawn, dommage. Ça sera pas pareil partout. C'est pas grave. À chaque fois, il nous manque que 3 quoi, c'est horrible. C'est frustrant. Hop, allez, on monte à d'autres chocobos. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé en plus, parce que j'étais juste à côté. Je crois que je l'avais pas appelé en fait. Elle est juste venue automatiquement en merci. Le fait que j'ai mangé quoi, tout simplement. Ok. Bah du coup, je vais pas faire d'ellipse. Attendez. Non, je vais pas faire d'ellipse parce qu'on se rapproche du truc, et comme c'est une zone qu'on n'a pas encore vue. Et température en hausse. Super. Par contre, je regarde s'il n'y a pas d'item. Non, il y aura aucun item à ramasser. Ça m'arrange vraiment parce que je vais bientôt. Dans une demi-heure, je pars, il faut que je me prépare. Donc ça m'arrange, j'aurai juste à aller voir, à écouter les instructions de la ferme. On fera peut-être toute la quête, entre guillemets, mais on retournera pas à l'Estaloum. Pas le temps, pour moi, en tout cas. On récupère l'item et après, on s'arrêtera là, parce que moi, je dois aller chez le médecin. Ça a freiné tout seul. Hein. Alors, je... Hé, hey, Noct, dis, y a pas un truc que tu voudrais que je prenne en photo? Rien de particulier. J'en sais rien, moi. T'as qu'à prendre ce que tu veux. Eh ben ok. Je vais me débrouiller. Bon, toi, on va continuer à prendre des photos de tout le monde de façon égale. D'accord. Et donc, je vais laisser le médecin. Vous inquiétez pas, rien de grave. C'est juste pour mon pied. Parce que je m'étais fait une entorse. Sauf que le problème, c'est que l'entorse est là depuis un mois et demi. Donc on se pose des questions un petit peu. Alors, ce qui m'arrange pas, par contre... Si on se reposait un peu. C'est que je viens de débloquer un endroit, mais je ne l'ai pas affiché sur ma carte. Ça veut dire qu'il y a des items que je peux louper, puisqu'ils ne sont pas affichés. On va juste... Oh, Noctis, tu m'as fait un truc, je savais même pas que c'était possible de courir à moitié sur les murs, trop bizarre. On va prendre ça, c'est parfait, ça m'arrange. Et là, on va prendre un truc comme ça. Un truc comme ça.
pensais que le jeu avait bugué, j'ai eu un peu peur. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'item ici. Parce que je vous le jure, il me l'affiche pas sur ma carte. Attends, on va juste parler à toi. Si vous cherchez des armes, vous êtes au bon endroit. Ouais, non. 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 D'accord, t'as à que de la prochaine. Merde. Je comprends pas pourquoi c'est pas affiché. Mais regardez, en plus il y a des items, mais what the fuck. Pourquoi tu me l'affiches pas? Regardez, il y a des items. Attends, je vais faire une petite, je vais voir si je peux pas l'avoir autre part la carte. Ok les gens, je l'ai. J'ai la carte, j'ai réussi à la trouver. Du coup, bah c'est parfait. En fait, j'aurais peut-être pas dû en fait venir tout de suite. Parce que j'ai la carte au chapitre 4. Donc j'aurais peut-être dû attendre en fait. Bon c'est pas grave. De toute façon il y a des quêtes à finir. Donc du coup ça m'arrange pas des masses. Mais on va le faire quand même. Bah au pire je ferai ça et après on s'arrêtera là. On n'ira pas tout de suite au faire ça. Je suis désolé. Mais bon je vous dis je vais semer ça pour mon pied. Allez, c'est reparti. Dans attends, une demi-heure il faut que je me prépare. Donc voilà voilou. Alors on va aller. Il y a pas beaucoup d'items ici hein, donc là il y en a un autre. Hop. Et le petit dernier qui est. Ah non merde, ça faisait pas partie des items que je devais ramasser ici. Pardon. Ah merde putain, j'allais dire putain ils sont où. Ah je peux pas. Ah je peux pas ramasser en sautant, dommage. Ah bon, je vais essayer de monter de mes propres moyens. Je pense que ça doit être possible. Voilà par ici. Parcours du combattant, c'est un fail. Un gros fail même. Hop 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 hop. Baiser de demoiselle. Ah mais si, attendez. Ah non attendez, l'item se trouve. Ah si, je l'ai récupéré en fait. Je vais récupérer un item ici, on est d'accord. Je suis perdu. Je sais pas ce que je fais. Bon, on a récupéré un item ici, on est tous d'accord que j'en ai récupéré un ici, je suis pas fou. Finalement, c'est bon. Du coup, attendez, au pire. Au pire, c'est un... J'ai pas eu de petite plume. On est d'accord là-dessus aussi. Non mais putain. C'est pas au-dessus. Pas sur les côtés. C'est étrange. C'est pas ici non plus. Ce n'est pas ici non plus. Bon bah il y a... J'ai peut-être dû le récupérer sans m'en rendre compte ou... Mais vous êtes d'accord que il y a rien. Vous êtes tous témoins. Vous êtes tous coupables si je me suis trompé. Bon bref, on va dire que je l'ai récupéré sans m'en rendre compte. Parce que je le vois pas donc. De toute façon je vous ai dit on récupérera pas forcément tous les items hein, parce qu'il y en a qui sont pas affichés et tout, donc c'est un peu compliqué pour moi de tout récupérer. Alors on va juste. Ah bah t'es là toi, hop, parfait. Donc du coup il nous reste deux items à ramasser. Un qui se retrouve près de la maison là-bas. Ah mais Dave va peut-être nous faire une quête ici plus tard. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je crois qu'il est sur le toit. Je crois que c'est sur le toit. Mais si c'est sur le toit, je suis dans le caca parce que je suis pas sûr que Yuki ait assez de détente. Attendez, on va essayer de. Oh, il y a quelque chose là. Ouais, tac. Joli vase. Ah, bah attendez, c'est pas ça. C'est 3. Non, bout de métal rouillé. Non, j'ai l'impression que c'est sur la maison en fait. Le seul moyen de monter c'est... J'allais dire putain c'est juste là, je suis trop con. Le seul moyen de monter, mais c'est pas là-haut en fait, je le vois pas. Ouais, je le vois pas. Ah, c'est quoi cette quête là? Ah c'est bon, je suis monté. Y'a pas d'item là? Non, what the fuck, mais putain. Peut-être que ce n'est pas ici, tout simplement.
fait, je vois pas la maison sur la carte. Ça, c'est pas pratique du tout. Mais non, mais putain. Vous allez me tuer. C'est par ici. Ça... Voilà, c'est là. Putain. Tout bêtement. Tout bêtement. Et le dernier est tout là-bas. Donc, on va les récupérer. On a combien de temps? 55 000. Oh merde. Ah bah, je vais arrêter la vidéo là. On va juste choper l'item qui est là-bas. Et après, on s'arrête là. Parce que je vais être à la boule, c'est bien. Là. Voilà, parfait. Parfait, ok, on a tout récupéré ce qu'il y avait ici, donc c'est parfait, on aura fait un petit truc d'avance, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Le prochain épisode, du coup, on finira la quête qui est là-bas, on fera aussi... Encore des mots de tête ? C'est quand même bizarre. On fera aussi Vous ne passerez pas, naturellement. et après on verra la suite plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, laisser des commentaires. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.